Bonjour, bonsoir, peuple congolais. Merci beaucoup, vous qui manifestez la bonne foi de s'abonner sur notre chaîne YouTube Congo-États-Unis TV Radio et vous qui partagez aussi nos émissions que nous vous faisons. Merci beaucoup de votre fidélité et de votre confiance. Alors, comme nous vous avons dit, nous sommes, n'est-ce pas, lancés et on a lancé notre série de émissions qu'on a utilisées, qu'on a donné un peu comme sujet, savoir pour savoir. C'est-à-dire, nous allons développer, c'est vraiment notre chronique politique, et si Oyo Tongito développer ensemble avec vous la situation politique qui se passe chez nous, en République démocratique du Congo, comprendre les enjeux, comprendre ce qui se passe, comprendre la réalité, le passé, le présent, et comment aussi l'avenir peut nous rattraper. Parce que souvent, il y a l'adage qui dit « l'homme sans histoire est réellement nul dans le monde que nous vivons ». Alors, il faut connaître pour savoir t'orienter dans l'avenir. Alors, dans notre deuxième partie, ou notre deuxième série, il y a chronique politique, Tolinguito développait quelque chose que peut-être, je dirais, beaucoup de Congolais, Bazako prêté, yango, tension, talakayango pena makasite. Il s'agit de quoi, mes frères et sœurs? Vous savez que nous avons à la tête du pays M. Antoine Félix Tshisekedi, le garant de la nation, le chef de l'État. Il a été élu, comme nous le savons tous, par miracle, au mois de décembre 2018. M. Tshisekedi a prêté serment au mois de janvier 2019. Et aujourd'hui, nous voulons développer quelque chose de nouveau. Parce que nous avons des tensions, n'est-ce pas, dans notre pays, si vous regardez, nous avons des tensions avec nos voisins, et plus particulièrement les Rwandais. Vous savez, on a vu le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'élever, prendre la parole, et on a vu le gouvernement qui, lui, dirige, Félix Tshisekedi, monter au créneau, dénoncer l'implication du Rwanda, n'est-ce pas, dans l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie de l'Est. Alors, on s'est posé multiples questions. Parce qu'on connaissait les relations entre le président rwandais Paul Kagame et l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. On sait que leurs relations étaient des fois Yakobe Nana, Yakoye Banate, Yakozala peut-être au courant d'un côté. Mais depuis que Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir, il y a quelque chose de nouveau où il s'est développé. Il y a quelque chose de nouveau où il est changé. Et voilà le pourquoi je veux qu'ensemble nous puissions regarder l'approche, l'amitié, la relation ou le rapprochement que M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a sala non homologue naïe Paul Kagame, le président rwandais. Alors, si je descends ici, mes frères et sœurs, pour vous relater un peu de date, je vais commencer à prendre une date et vous le dire le pourquoi il y a eu cette rencontre. Félix Antoine Tshisekedi, le président du Congo, prête serment au mois de janvier 2019. Mais vous allez vous souvenir que c'est au même mois de janvier 2019, après avoir prêté serment, le 17 janvier 2019, à Addis Abeba, d'ailleurs, Félix Tshisekedi était aussi invité ou a participé dans le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, où il a pris part. Mais là, dans la foulée, il y avait aussi la présence d'un homme, de Paul Kagame. À ce temps,
C'était Paul Kagame qui dirigeait la présidence de l'Union africaine. Alors les deux hommes se sont rencontrés et ceux qui se sont dit Bissonayo, vous allez réellement pas au courant. Bakutani, Basololi. Et ceux qui se sont dit, nous on ne sait pas. Mais on a vu, comme vous pouvez aussi voir dans l'image, Félix Tshisekedi rencontrer Paul Kagame à Addis Abeba au mois de janvier 2019, le 17. Et peuple congolais, après cette rencontre, voilà rencontre à Liboso, Félix Tshisekedi à Salina Kagame. Après rencontre, c'est que le Congolais, bah, vous allez un peu étonné, c'est que le 25, n'est-ce pas, mars, le 17 janvier, Félix rencontre Paul Kagame, et le 25 mars, s'il vous plaît, peuple congolais, retenez bien de date, Félix Tshisekedi rencontre encore de nouveau Paul Kagame, le président rwandais. Le 25 mars 2019, où M. Félix Antoine Tshisekedi a fait le déplacement, a salué le déplacement à accueilli dans Rwanda, précisément à Kigali. Alors, qu'est-ce que Félix Tshisekedi est parti faire à Kigali? Alors, normalement, on nous rencontre que c'était Africa CEO Forum, et là, Félix Tshisekedi, pour la deuxième fois, rencontre Paul Kagame et Bassololi. Et on connaît bien, dans les rencontres, ce qu'ils sont dit. Et je veux vous, en tout cas, lire un peu les choses que Félix Tshisekedi a dit. Vous allez voir cela, je le mets là. Vous allez voir que Félix Tshisekedi dit, devant le journaliste, en tout cas, le passé sur le passé, nous voulons regarder vers l'avenir, nous voulons construire des relations vers Sika. Et nos pays, en tout cas son ami frontalier, on n'a pas tant à regarder sur le passé. On doit regarder vers l'avenir. C'était le 25 mars 2019 au Rwanda. Et peuple congolais, ça c'est pour la deuxième fois que Félix Tshisekedi rencontre Paul Kagame. Le 31 mai maintenant, le 31 mai 2019, c'est autour du président rwandais, de mettre ce pied à Kinshasa. On connaissait bien M. Kabila, ancien chef de l'État. En tout cas, à son temps, Kagame pour venir au Congo, c'était peut-être un tabou, c'était un problème. Mais Félix, précisément au mois de janvier 2019, il rencontre Kagame à Addis Abeba le 17 janvier. Le 25 mars, Félix Tshisekedi rencontre Paul Kagame au Rwanda. C'est que je dois quand même mentionner cela. Et je peux aussi vous mettre la photo de Félix Tshisekedi au Rwanda au mois de mars. Il est même parti vers mémorial, il y a génocide à Rwanda, pour s'incliner, n'est-ce pas, afin de donner un nouveau vent et réédorer les relations entre les deux pays. Et maintenant, le 31 mai, Paul Kagame, à son tour, arrive au Congo, à Kinshasa précisément. Alors, pour quel événement Kagame met ce pied au Congo, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, compatir avec le nouveau chef de l'État à travers le décès de son père, même si le décès là, Isaraki à moi, année passée, année belle de qui, mais comme c'était pour la première fois que le deuil arrive dans le pays, qu'on enterre la personne au Congo, alors Paul Kagame a foulé le pied de Kinshasa. Et comme dès Isaraki dans le stade de Marti, nous avons vu le militant de l'UDPS chanter et glorifier l'arrivée de Kagame au Congo. Beaucoup de Congolais étaient un peu curieux, un peu timides, un peu, je peux dire aussi, froids, de ne pas aussi comprendre comment Félix Tshisekedi réchauffe son amitié avec Kagame aussitôt qu'il arrive au pouvoir. Et Kagame met son pied déjà dans le pays. Le 31 mai 2019, et je peux même vous laisser des chansons que l'UDPS
à chanter à la gloire de Kagame au stade de Marty. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, à part le 31 mai que Kagame a rencontré Félix Tshisekedi à Kinshasa, dans les mêmes circonstances, ils se sont encore vus à Kinshasa toujours, avec le président angolais, c'était un sommet tripartite, Luanda, Lorenzo, le président angolais Lorenzo, Félix Tshisekedi, RDC, et Kagame du Rwanda. Ils ont parlé sur la gestion ou comment lutter contre l'insécurité dans la sous-région. Donc vous voyez, et nous acheminons petit à petit pour comprendre l'idée de ce que nous voulons vous annoncer ou peut-être vous faire l'idée à travers cette vidéo. Donc ça dit, la Bandara Kolobela déjà, sommet tripartite, en 2019. Le 31 mai 2019, Kagame, Félix Tshisekedi et Museveni rencontrés à Kinshasa et Basali sommet tripartite. Après ce sommet, peuple congolais, c'est maintenant pas vraiment fini parce que ça c'est la troisième fois que Félix Tshisekedi rencontre Paul Kagame. Mais, je vais vous annoncer encore de nouveaux. Comment Félix Tshisekedi a rencontré Kagame, toujours au mois à l'année 2019. Alors, après les rencontres au mois de mai, le 9 décembre 2019, il y a eu encore, en tout cas, je dirais, festival Kusi à Deas, na Rwanda, et monsieur Antoine Félix Tshisekedi n'a pas encore hésité de faire un déplacement vers le Rwanda. Donc, même année, quatre fois que ce chef d'État Baskutani, Basololi. Et d'ailleurs, dans ce festival au Samakina Kigali, au Babéina Kumbuya Kusi Aideas, il y a eu une photo que vous voyez là aussi, et cette photo même est celle qui est polémique. Polémique au milieu congolais. Pourquoi? Parce que beaucoup de Congolais se disent un peu choqués de voir que leur chef de l'État Asakokutana, Namutu Oyo, Bango Bamonaka plus comme étant l'homme agresseur de leur pays. Alors, la photo que vous voyez, et ça la polémique, mais vous savez, à ces temps, on a dit il faut recommencer à zéro, parce que le chef de l'État, Antoine Tshilombo, a déjà promis à Kigali, a dit au Rwanda, le passé c'est déjà le passé, nous voulons construire quelque chose de nouveau et voir de l'avant. Alors, vous serez, n'est-ce pas, sans ignorer, après cette rencontre, quatre fois, rencontre au mois de l'année 2019, qui s'est terminée un peu par le festival Aideas, c'est maintenant au mois de l'année, ou de l'année, l'an 2020, que les rencontres encore recommencent. Et première rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, c'était le 2 mars. Le 2 mars 2020. Et après cette rencontre, Félix Tshisekedi, Bayeli Susko Koutalana Paul Kagame, cette fois-ci, c'était le 7 octobre 2020, et Ezaki, dans le cadre, il y a sommet de leader régional, toujours à Kigali, toujours au Rwanda. Et Félix Tshisekedi, président de la RDC, a aussi pris part dans ce sommet. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Vous avez vu. Donc, ça dit, je vous montre un peu
dans l'an 2019, de côté 2020, des rencontres que Félix Tshisekedi a fait avec son homologue Paul Kagame. Alors, Koutani, le 7 octobre 2020, dans le sommet des leaders régionaux à Kigali, à Sololi, et Oyo Bango, Deshidaki, Lobaki, Monaki, ils ont très bien. Peut-être Bucho, Torugi Koye Bate, et Torugi Koye Bate parce que c'est la politique. Mais il faut sans oublier que toujours dans 2020, il y a eu aussi sommet. Et on a sommet, on a Mazar Robin Ango, sommet Kadipatri. Donc sommet Kadipatri, où est Renisaki, Joan Lorenzo, le président angolais, Moussa Veni, le président ougandais, Paul Kagame, le président rwandais, et aussi Félix Tshisekedi, le président de la RDC. L'objectif, il y a sommet en an, et Zalaki, toujours parler sur l'insécurité qui se passe dans la sous-région, renforcer l'amitié entre les pays voisins, et sans oublier, résoudre aussi un problème qui s'est passé, en sous-entend, entre guillemets, entre le Rwanda et l'Ouganda. Alors, rencontre Salami, on a vu tous des images, comme vous pouvez aussi voir les images là, et c'était en tout cas bonne chose. Il y a eu aussi des rencontres au Salamaki, mais Isalaki en dehors. Il y a pays Afrique, naba pays Moussousou étranger, au Kagame, Akutanaki, na Antoine Félix Tshisekedi, président de la RDC. Alors, 2021 maintenant. Dans 2021, il y a eu aussi des rencontres. Alors maintenant, ce qu'on a fait comme le constat, en janvier, il y a eu plusieurs rencontres. En 2020, la rencontre semble un peu diminuée. Et n'est-ce pas, en 2021, on voit aussi comme si réchauffement encore amical et comme sous Kozonga. Alors, ce que vous devez savoir, première rencontre, il y a Félix Tshisekedi na Paul Kagame en 2021, c'était le 17 mai. À Paris, à Koutanaki, dans le cadre toujours, il y a la France a appelé plusieurs pays africains pour Naba Solola et ils se sont rencontrés, Sololi, Lobi, Oesengelaki, Bango Baloba, Nakachuana. On a vu les deux chefs de l'État rester, se parler tête à tête hein, pour consolider en tout cas leur amitié. 19 décembre 2021, Félix Tshisekedi rencontre encore Paul Kagame à Bruxelles. Alors cette fois-ci, c'était pour rencontre, il y a co-préparé, sommet, il y a Union africaine, n'est-ce pas, avec l'Union européenne. Bakoutanaki, le 19 décembre 2021, à Bruxelles. Alors je crois que 2021 plutôt, moi réticente, moi moukier, pour. La façon où Félix Tshisekedi approche Kiliboso Paul Kagame. Et maintenant, Mande Konanga et Bino Bosa Kolananga Awa. 2021, pas trop de rencontres. 2020, pas trop de rencontres. Et 2022, le climat un peu change. Le climat politique change. Monsieur Félix Tshisekedi ne s'attend plus avec son frère, qu'il a appelé frère, Paul Kagame, et son ami qui se sont serrés la main. Donc pour dire que l'amitié est renouvelée. Maintenant, 2021-2022, les choses changent complètement. Il n'y a plus de rencontres que Félix quitte Kinshasa pour aller à Kigali. Et sans oublier en 2021 aussi, il y a eu des rencontres encore, mes frères et sœurs, des rencontres, n'est-ce pas, où Félix Tshisekedi a invité Paul Kagame à Goma, comme vous pouvez voir des images, n'est-ce pas, pour voir et compatir avec Volcan ou Salamaki Nakati à RDC. Ça vous devez.
le 24 mars, d'ailleurs, je sautais, je disais, le 24 mars, Félix Tshisekedi d'abord rencontre Paul Kagame en Cisjordanie. Et là, ils ont parlé de l'insécurité, et il y a eu déjà le climat qui s'est détérioré parce que Félix Tshisekedi ne croyait plus à la sincérité de Kagame. Et maintenant, au mois d'avril, ils se rencontrent à Nairobi et Balobi, et puis ils ont parlé de l'insécurité. Et après... Une des résolutions du sommet régional de Nairobi prévoyait une consultation présidentielle ce vendredi 22 avril avec tous les groupes armés congolais. La rencontre n'a pas eu lieu étant donné que la plupart de ces groupes concernés n'ont pas eu le temps de joindre la capitale du Kenya. Cette difficulté logistique a poussé les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à désigner une équipe de travail d'experts qui va mener ces consultations sous le leadership de son homologue Uhuru Kenyatta. Désigné justement par ses pairs pour piloter les volets politiques de ces processus, le président Uhuru s'est engagé à déployer toute la logistique nécessaire. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé ce vendredi la matérialisation de ces processus de reddition inconditionnelle qu'il considère comme une dernière chance accordée aux groupes armés à déposer immédiatement les armes et s'engager dans les processus de réinsertion sociale, faute de quoi l'option militaire soutenue par tous va les y contraindre. Pour le président Félix Tshisekedi, il est hors de question que cette main tendue envers ses compatriotes engagés dans la lutte armée contre leur pays ne se substitue en une table ronde de négociations ni partage des galons. Ces processus devraient s'inscrire, selon lui, dans la logique du programme de DRCS qui définit les limites du tolérable. Avant de regagner Kinshasa ce vendredi, le président de la République démocratique du Congo a eu un deuxième tête-à-tête avec son homologue du Kenya. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son hôte pour son implication dans l'épineuse question sécuritaire en République démocratique du Congo et présenté les condoléances de son peuple à la suite du décès de l'ancien président de la République du Kenya, Mwai Kibaki. Le 20 juin encore, Félix Tshisekedi a eu beaucoup de temps na Paul Kagame toujours na Nairobi na cadre du sommet il y a communauté Afrique de l'Est et ils ont parlé plus de l'insécurité et la guerre au Congo avec le groupe rebelle que nous appelons que moi j'appelle la branche armée rwandaise installée en RDC et Basololi il était maintenant question de savoir comment une force régionale et qui y a na cadre RDC pour combattre de groupes rebelles. Alors il y a eu aussi un problème, est-ce que le Rwanda fera partie, il y a force Rwanda, plusieurs, en tout cas politiques au Congo et la société civile s'est opposée afin que le Rwanda n'y participe pas. Alors Félix Tshisekedi. His Excellency Honorable Uhuru Kenyatta, the President of the Republic of Kenya, kindly to take his seat. Asante. Thank you. Take our seat, yes. I'll now most of you done to the community. Thank you. They can now join. And the chairperson, the secretary general. For the decision to admit the DRC into the community. All the ambassadors and the high commissioners were present. There was a check. Please welcome President Uhuru Kenyatta. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout
à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Gentlemen, the accession of the DRC as a member of the East African Community will even more elevate these gains, and more importantly, it will strengthen our economic muscle and competitiveness in the continent as well as globally. Alors Félix Tshisekedi a entendu un peu pour dire que il y aura d'autres pays au Bakoya, na Congo pour aider le pays, aider la RDC, mais le Rwanda ne fera plus partie de la force régionale. Ça c'était le 20 juin 2022. Et le 6 juillet 2022, Félix Tshisekedi à nouveau rencontre Paul Kagame à Luanda. Qu'est-ce qui s'est passé à Luanda? Sommet tripartite, parler de l'agression du Congo par le Rwanda, que le RDC insiste. Et à travers ce sommet, nous avons beaucoup écouté des choses. Et à travers ce sommet, nous avons un peu martelé deux points. Oyo Félix à Lobaki et Oyo Kagame P à Lobaki. Alors, sommet aussi là, chacun a signé ce seul effet, que les groupes armés se retirent, que le M23 se retire. Malheureusement, après que le sommet est signé, le M23, en tout cas, dit de ne pas être concerné dans Oyo et Utikoleka, dans Angola, dans Luanda. Et deux jours après, les hostilités et zongi entre la RDC, la force loyale de la République démocratique du Congo, le FARDC, avec l'armée du Rwanda dans son branche du M23. Et de l'autre côté, il y a encore des attaques des ADF à Beni, qu'on nous a fait croire et qu'on a cru qu'après l'entrée de militaires ougandais à Beni précisément, qu'on ne parlera plus des ADF. D'ailleurs, deux jours, trois jours passés, l'armée ougandaise s'est glorifiée d'avoir détruit complètement les ADF. Malheureusement, deux jours passés ici, les ADF annoncent avoir, en tout cas, je ne peux pas peut-être vous montrer les images qui sont un peu atroces, détruit un hôpital, Tumbi, avec des hommes à l'intérieur, alors c'est qui fait mal. Alors, si je reviens sur cette chose, le peuple congolais à ma rencontre, oui. Avec la liste que j'ai avec moi ici, je peux vous dire que depuis que Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, est dans son fauteuil, il a rencontré son homologue Paul Kagame, le président rwandais, plus de 20 fois. De 2019 à 2022. Et je ne sais pas s'il y aura encore d'autres rencontres avant son premier mandat. S'il va obtenir le deuxième mandat, on ne sait pas. Donc il a rencontré Paul Kagame plus de 20 fois. Alors on se pose des questions. Est-ce Félix Tshisekedi, dans son approche, comprend bien les enjeux de Paul Kagame au Congo? Est-ce Félix Tshisekedi avait une seule fois donné tout, presque tout, à Paul Kagame? Parce que je vais encore revenir. Ça c'est la première partie, mais il y aura une deuxième partie qu'on parlera des accords que Félix Tshisekedi a signé aussi dans les rencontres là avec Paul Kagame. Est-ce que Félix Tshisekedi comprend réellement les enjeux de la sous-région et de la RDC? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure après toutes ces rencontres entre Félix Tshisekedi et Kagame? Faut-il croire à la sincérité de Kagame? Ou faut-il croire à la sincérité de Félix Tshisekedi? Alors comment les deux personnes, au Bazalaki, amis, intimes, et même jusqu'à aller à s'appeler mon frère, Bakoma Elo, les gens qui se regardent, en tout cas comme des ennemis jurés, qu'est-ce qui s'est passé? Et par là, Félix Tshisekedi a compris peut-être les enjeux de dire que Kagame reste toujours Kagame, il ne change pas et il ne changera pas. Mais je dis que la deuxième partie dans Rosom et Labino sur les accords, parce qu'on doit se poser des questions. Est-ce que ce qui a changé à Kagame ou à Félix Tshisekedi
Est-ce Félix qui n'a pas respecté ou voulu faire respecter les accords signés avec Paul Kagame? Ou est-ce le chose que Félix Tshisekedi a promis à son homologue Kagame n'arrive pas toujours à les réaliser? Est-ce qu'il y a un blocage dans le pays, soit dans l'armée, soit dans l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui bloque un peu de tel coup des accords que Félix signe avec Kagame? Alors, on peut conclure à peu plus de 20 rencontres que Félix a fait avec Kagame, ça dit l'amitié n'a pas marché. Parce que je peux vous dire, depuis que Kagame est président et que la RDC existe, Félix est le premier président qui a rencontré Paul Kagame plusieurs fois, plus de 20 fois. Donc si Kagame avait vraiment la bonne foi de faire amitié sincère avec le Congo, je crois qu'il pouvait les renouveler avec Félix Tshisekedi. Parce que malgré tout ce que nous disons ici et nous reprochons à Félix Tshisekedi, mais l'homme a réellement fermé les yeux pour consolider son amitié avec Kagame. Alors s'il y a un homme que Kagame pouvait faire l'amitié sincère, c'était Félix Tshisekedi. Mais néanmoins, je vous dis, est-ce que à son tour, Kagame attendait des choses à Félix que Félix n'a pas réalisées? Alors pourquoi Félix ne l'a pas réalisé? Alors maintenant dans le tape, dans cette étape autocommune en Osikoué, pouvons-nous donner encore des conseils à président Félix Tshisekedi qui est de garder de bons contacts avec Paul Kagame? Parce qu'on on vient de voir leur rencontre dans Luanda. Après la rencontre, le M23 retourne encore. Continue la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Félix Tshisekedi peut dire « Je ne veux plus de rencontre. Je reste dans mon coin et je me prépare, comme Kagame vient de le dire dans son interview, quand vous venez de l'écouter, que ce qui arrive, ce qui va arriver, peut arriver. » Ah donc, je suis préparé à tout. Est-ce que Félix Tshisekedi aussi peut faire une vidéo, dit je fais tout ce que je pouvais, mais réellement, je ne crois pas comment convaincre la personne, et je ne le vois pas. Maintenant, ce qui reste, je demande à la population congolaise, parce que la population congolaise soutient toujours son chef, même s'il y a un peu de réticence, parce que à chaque fois que le Congolais appuie le président, et à son tour, il continue de les décevoir. Est-ce qu'il peut mettre fin maintenant avec Kagame et dire que c'est fini, je ne rencontre plus Kagame, je reste dans mon coin, j'attends ce qui va arriver. Et je ne peux pas, je ne peux pas à la maison. Et ce qu'il va faire, ce qu'on va faire, on va faire pour sauvegarder l'unité du pays. Il faut sauvegarder le frontière de la RDC. Et c'est ce que nous pouvons conclure à travers cette vidéo. Il y a eu plusieurs rencontres et je vous dirai plus de 20 rencontres que Félix Tshisekedi a rencontré Kagame. Il n'y a pas de résultat. Et on dit toujours que deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils attendent. Si deux personnes ne s'attendent pas, comment vous pouvez continuer à marcher dans le chemin Moko, dans Nzela Moko? Donc ici, à moins que Félix Tshisekedi fasse l'hypocrisie ou trompe le peuple congolais, mais s'il est réellement sincère, il doit se dire lui-même, il est temps de commencer quelque chose de nouveau avec Kagame. Merci beaucoup, Nabino Nosmo Uchukolanda, tranche à chronique Oyo, politique, pour développer Nabino. Et je vous demande de s'abonner massivement sur notre chaîne Congo États-Unis TV Radio, que nous allons renouveler encore le nom pour vous faciliter, n'est-ce pas, de s'abonner et de ne pas être confondu avec notre chaîne que nous faisons de live. Et nous vous demandons de s'abonner, d'aimer, de partager notre vidéo. C'est gratuit, faites-nous confiance. Et puis, abonnez-vous massivement sur notre page Facebook Congo États-Unis TV. Abonnez-vous aussi
massivement sur notre compte Twitter Congo États-Unis toujours. Et on vous retrouve prochainement. Ciao. Gouvernement des fous, gouvernement des fous. Liberté, ami de la liberté, liberté. Idengo. Gouvernement des fous, gouvernement des fous. Dirigé par des fous, dirigé par des fous. Parlement des fous, sécurité fous, entouré par des fous, toujours des fous. Parlement des fous, sécurité fous, entouré par des fous, toujours des fous. Président fou, oh, son entourage fou, oh, ses journalistes fous, oh, tous des fous. Oh. Il marche en fou, oh, voilà il est des fous, fou, oh. Ses ministres fous, ses députés fous, ses conseillers fous. Gouvernement des fous, gouvernement des fous, dirigé par des fous, dirigé par des fous. Ils marchent avec les yeux, ils ont enterré les oreilles, ils marchent avec la tête, ils ont enterré l'intelligence. Batambola kanamisoe, bantere matoi. Batambola kanamituo, bantere intelligence. Banakulaka ya ulafi, banalalaka na wasi wasi. Banalotaka tu kuiba, mandoto mandoto za kuua watu. Ils veulent tous accaparer. Gouvernement familial. Papa des fous, maman des fous, il n'a rien à dire. Papa des fous, maman des fous, il n'a rien à dire. Il ne travaille pas, 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 il travaille sans fou. Il ne travaille pas, il ne travaille pas, il ne travaille pas. Il ne travaille pas, 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 il ne travaille pas. Vive Saundo, Kakule Masimengo, Josué, dirige Eloge Mubange, dirige Moïse Kabaka. Bibuya, bibuya, bisa. Dirige par des fous. Masizan, dirige par des fous.